Mort de Françoise Hardy. Pas à l'idée ni d'Elon. Ce qu'elle ne voulait pas faire subir à Thomas Dutronc. Ce mardi 11 juin, Thomas Dutronc a annoncé le décès de sa mère, Françoise Hardy. La chanteuse a pris une décision peu de temps avant de mourir, pour son fils unique. Les hommages à Françoise Hardy se multiplient, soulignant l'impact de son héritage musical et personnel, tandis que les détails de ses obsèques restent inconnus. Ce mardi 11 juin 2024, Françoise Hardy nous a quittés. Après un long combat contre la maladie, la chanteuse est décédée à l'âge de 80 ans. Elle laisse derrière elle son unique et célèbre fils, Thomas Dutronc. Selon les informations de Fabien Lecoeuvre, l'icône yéyé aurait d'ailleurs pris une décision dans son testament, pour protéger Thomas Dutronc. La star ne souhaitait pas faire subir de conflit familial au sujet de l'héritage à son seul enfant. Françoise Hardy, ce qu'elle a fait pour son fils, Thomas Dutronc, juste avant de mourir. Peu de temps avant de mourir, Françoise Hardy aurait pris une décision significative pour son fils, Thomas Dutronc. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Fabien Lecoeuvre a donné plus d'informations à ce sujet. Elle a fait la nue propriété. Vous donnez à votre fils les murs de tous vos biens immobiliers. Elle garde l'usufruit. Ça coûte cher, il y en a pour à peu près 6 millions d'euros pour les appartements. Son fils va hériter sans payer les droits de succession. Géraldine Maillet a exprimé son malaise face à ces informations. Elle vient à peine de mourir, ce n'est pas un peu indécent de parler de tout ça? Faire le déballage de son testament alors qu'elle est morte il y a 2 jours, ça me choque, a lancé la chroniqueuse. Gilles Verdez a alors expliqué que c'était pour dire qu'il n'y aura pas de polémique comme dans d'autres familles. Voilà, elle redoutait les successions d'Hallyday, de Delon, elle ne voulait pas tomber là-dedans, a finalement conclu Fabien Lecoeuvre. Françoise Hardy. Les hommages se multiplient après la mort de la chanteuse. Le 11 juin, tard dans la soirée, Thomas Dutronc a annoncé le décès de Françoise Hardy sur ses réseaux sociaux. Il a partagé une photo de lui enfant dans les bras de sa mère avec en légende « Maman est partie ». Après cette annonce tragique, l'heure est au recueillement. De nombreuses personnalités du monde de la musique ou de la politique ont rendu de vibrants hommages à la figure de la pop française. Pour le moment, aucune information n'a été dévoilée concernant le lieu et la date des obsèques de Françoise Hardy. Pour rappel, la chanteuse se battait depuis 2004 contre un cancer du système lymphatique, prenant plusieurs formes et qui lui faisait vivre un enfer.